Et bien le bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau build, deuxième build sur la station, sur le Titan. Donc en mettant en avant un exotique qui vous fera plaisir, surtout à ceux qui aiment bien jouer avec une épée, parce que bah, on va parler de cela en fait, hein. Tout simplement ce build s'oriente vraiment sur l'épée, c'est sa particularité. Et donc si vous vraiment vous cherchez un build vraiment intéressant sur le Titan à utiliser avec une épée, et bah c'est le build parfait pour vous. Alors il s'agit bien sûr d'un build stase qui va avoir donc comme d'habitude sa barrière classique, on connaît tous. Il va y avoir également la grenade, hein, donc classique, et il va y avoir quelques autres armes assez intéressantes. Vous voyez par exemple ce fusil à fusion qui est très intéressant, qui est l'épécurien, et que c'est une arme que vous pouvez bah, tout simplement avoir en la craftant sur notre relique sur le monde du trône dans l'enclave. Hein, du coup, voilà, vous pourrez la crafter. Et vous avez également, bien sûr, la grenade stase. Vous voyez, donc ici, j'ai choisi hein, la grenade avec le mur, hein, mais vous pouvez choisir, bien sûr, la grenade crépusculaire si vous souhaitez. Il n'y a aucune importance. Donc l'épicurien hein, quand même qui a cette particularité selon moi à être un des meilleurs fusions si ce n'est le meilleur du coup en ce moment au niveau de l'abyssal. Vous avez également les pointes glacées hein, du coup voilà on les avait déjà vues sur l'autre build et la ruée chromatique que je trouve qui est une très bonne arme alors qui est arrivée avec la saison du symbiote la saison 14. Et quand elle est arrivée, elle a vraiment mis une claque sur les autos. Et donc ici, on est sur donc cette arme de la saison 14 que je trouve qui est très intéressante. En plus, j'ai le Godroll, je pourrais vous le montrer juste après. Et bien sûr, vous avez l'attaque de mêlée chargée classique Stase qui est voilà toujours là d'actualité. Il ne reste plus que bien sûr à vous montrer. Bah, tout simplement le super, mais là vous connaissez bien sûr, c'est le super classique qui va avoir la particularité de mettre un petit peu des cristaux de stase partout. À chaque fois que ces cristaux de stase explosent, ça va faire comme comme un rayon de souffle, hein, clairement. Et vous allez pouvoir, bah, comme ça, le faire apparaître très souvent. Voilà donc pour les principaux faits de ce build et vous avez bien sûr l'épée. Alors l'épée moi j'ai pris la lamentation mais en réalité vous pouvez prendre une autre épée, je vous la montrerai juste après et ça sera pour le bonus, on changera d'épée, on ne sera pas du tout sur la même arme. Parce que là j'ai mis la lamentation parce que je trouve qu'elle est très bien, notamment quand vous allez devoir faire des champions du coup anti-barrière hein, bien sûr. Mais vous allez voir, on va mettre une autre épée et moi je trouve qu'elle est vraiment très intéressante parce qu'elle a en plus une attaque à distance et vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc on a fait le tour de ce build. Hein. Vous allez récupérer bien sûr très rapidement vos compétences, que ce soit la grenade, la petite barrière et bien sûr l'attaque de mêlée. Donc voilà. Comme d'habitude, vous savez, ça c'est une de mes signatures. Hein. Je vous fais des builds notamment très axés sur les compétences pour que vous puissiez les utiliser plus souvent. Et par la même occasion, vous avez vu, on met pas si longtemps que ça quand même à récupérer notre super. Vous avez vu, c'est quand même revenu assez vite. Et malgré que vous avez une grenade qui est plutôt lente à revenir, vous voyez qu'on la récupère quand même assez aisément et facilement. Voilà les amis, maintenant qu'on a vu le build en action, on va aller se mettre un petit peu à l'abri, on va le décortiquer. Donc voilà, je vais notamment vous expliquer certains trucs importants que vous sachiez. Alors ici, on va avoir du coup notre première arme, donc la ruée chromatique. Donc je vous disais, c'est un auto qui est venu notamment avec la saison 14. Alors il est vrai qu'il est plus compliqué d'avoir, mais vous pouvez l'avoir aléatoirement. Soit chez Xur ou soit chez Banshee. Et vous avez ici en ce moment le Godroll devant vos yeux. Vous mettez un chargeur de secours, comme ça c'est encore mieux. Et voilà donc pour ce qui est de la première arme. En ce qui concerne la deuxième arme, on part sur une arme du coup qui est craftée. Que vous pouvez crafter. Ici vous avez donc le surplus, le télémètre qui sont importants. Vous pouvez mettre bah, tout simplement un spécialiste d'élite si vous voulez augmenter les dégâts de cette arme contre des ennemis puissants.
Voilà, donc ici, je vous laisse voir très vite fait, du coup, les différents modes de cette arme que vous devez avoir. Le télémètre, je vous rappelle, va vous améliorer, du coup, la portée. Vous allez avoir un plus gros grossissement au niveau de votre zoom. Et le surplus va vous permettre d'augmenter le maniement, la vitesse, le rechargement, la stabilité, enfin bref, tout quoi. Et donc l'épée ici que je vous propose, c'est la Lamentation pour l'instant. Donc qui va être très intéressante bien sûr pour ce qui concerne notamment qu'on va la faire chanter. Donc pour la faire chanter c'est avec notre charge hein, du coup, donc la garde, qui va nous permettre de perforer du coup le bouclier anti-barrière. On la présente plus, hein, vraiment très 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 bonne arme, c'est la meilleure épée du jeu tout simplement. C'est pour ça que je voulais vous la mettre, hein, je trouvais ça intéressant. En ce qui concerne notre casque, on est sur du cendre utile pour pouvoir récupérer beaucoup plus vite la grenade. Et ici, vous mettez le distribution pour permettre de réduire le délai de récupération de votre compétence de classe. Hein. Moi personnellement, pour réduire le délai de récupération de super avec la compétence de classe, je suis pas trop fan. Moi, je vous dirais plutôt de mettre soit un double cendre. Ou dans ce cas-là, partir plutôt sur comment dire un manuel, c'est-à-dire les frags de mêlée vont vous permettre également de récupérer du super. Mais moi, je serais plus pour pouvoir mettre un cendre utile deux fois. Vous mettez également le siphon harmonique, bien sûr, qui va vous permettre tout simplement de faire de créer des orbes de puissance avec vos frags du coup stasiques. Et ici, on va passer donc à notre citadelle, donc notre exotique. Hein. Donc il y a le point serré, donc maximiser les stats de garde pour les épées équipées. Vous subissez des dégâts réduits et quand vous bloquez avec une épée, vous infligez des dégâts rapidement après avoir bloqué des tirs avec une épée. Et ça vous confère en plus de la restauration, c'est vraiment incroyable. En ce qui concerne ça. Alors ici, du coup, pas du double ramorçage. Hein, vous mettez tout simplement quand vous allez tout simplement infliger des dégâts du coup avec votre grenade, ça va permettre de récupérer du coup. Non, c'est hop, c'est ici. Voilà, récupère d'impact. Infliger des dégâts avec votre attaque de mêlée va recharger votre grenade. Et ici, notamment quand vous voulez, hop, on va enlever celui-ci puisqu'il me gêne. Voilà. Quand vous voulez donc avoir du coup de la capacité de classe, donc c'est-à-dire votre barricade, vous pouvez du coup l'avoir en faisant du coup des dégâts avec votre grenade. Donc votre grenade va générer du coup de l'énergie pour votre barricade. Ou alors ici, infliger des dégâts à la grenade, vous récupérez votre attaque de mêlée. Je vous conseille plutôt de mettre ça, parce qu'en fait celui-ci va proc du coup l'attaque de mêlée, la grenade. Et celui-ci va prendre proc l'attaque de mêlée. Donc en fait, ils sont complémentaires. Et vous pouvez mettre en deuxième lieu, on va dire, si jamais vous êtes fan, entre guillemets, de récupérer vite la grenade, voilà, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez, tout simplement, quand vous allez, infliger, hop, ici, voilà, infliger des dégâts, ah non, c'est pas ici, c'est celui-ci, je crois. Hop, infliger des dégâts avec une attaque de mêlée, ça va vous conférer encore de l'énergie de grenade. Donc vous mettez un double récupérateur d'impact avec le transfert d'élan. Donc vous avez ici la possibilité de récupérer beaucoup plus vite votre grenade et vous récupérez avec votre grenade également une partie de la mêlée. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. En ce qui concerne du coup notre torse, on peut partir sur du rechargé comme d'habitude pour pouvoir permettre d'augmenter le nombre de maximum d'unités de charge d'armure que vous pouvez porter. Et là, il y a un mode super important. Donc, augmente le temps de chargement de vos épées équipées, vos glaives gagnent plus d'énergie en infligeant des dégâts avec leurs attaques à distance. Donc, nous ici, en fait, on est plus focalisé sur les épées, mais vous pouvez utiliser également lame lumineuse pour les glaives. Hein. Donc le chargement, du coup, ça va augmenter le temps de chargement de votre épée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez bien sûr ici après soit la possibilité de mettre un amortisseur de commotion ou bien sûr un restant de dégâts à distance en fonction de l'activité de haut niveau que vous allez faire. Ou soit si vous laissez bien sûr la résistance harmonique ou une autre résistance que vous aurez choisie.
En ce qui concerne les bottes, on va partir donc sur. Hop, on enlève ceci. Voilà. On va partir donc sur la dernière version pour réduire le délai de récupération de la grenade. Vous le mettez deux fois et après, là, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous réduisez le délai de récupération de votre attaque de mêlée, ou soit tout simplement vous réduisez le délai de votre compétence de classe. Moi, je serais plus fan, entre guillemets, de réduire, entre guillemets, tous les délais de récupération. Voilà, donc avec l'absolution, donc double inversion et absolution. On part maintenant sur la doctrine, et donc ici on est sur le tremblement glaciaire, avec la barricade de ralliement, le vol, vous mettez celui que vous voulez, la frappe frissonnante, vous n'avez pas trop d'autres choix, et là la grenade, c'est pas une obligation, vous pouvez également partir sur une grenade à crépuscule, et le bonus va consister à ça, à que vous voyez la différence par rapport à, du coup, à cette grenade crépusculaire qui va durer beaucoup moins longtemps à revenir. Vous avez le moisson tétonique qui va nous permettre, quand vous allez briser des éclats, des cristals de stase, de créer des éclats stasiques. Et ces éclats vont vous conférer de l'énergie de mêlée une fois ramassée. La pointe de diamant pour justement avoir ces pointes de diamant qui vont vous permettre soit de faire des attaques, de geler des cibles à l'impact, ou soit tout simplement de planter au sol, et ça va avoir du coup des impacts de brisure et de gel sur les ennemis notamment. Au niveau des fragments, le murmure pardon, du tourment, vous obtenez de l'énergie de grenade à chaque fois que des cibles vous infligent des dégâts. Et le murmure de givre qui va nous permettre de récupérer un éclat de stase et octroie une petite quantité de sourbouillot qui diminue au bout de 10 minutes. Mais vous récupérez des éclats supplémentaires derrière et vous relancez le chrono. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et en ce qui concerne les fragments, donc le murmure de fragments, c'est vous brisez un cristal stasique, ça va vous augmenter tout simplement temporairement la vitesse de recharge de vos grenades. C'est vraiment très très fort. Donc vous voyez, vous détruisez un cristal stasique, ça va vous augmenter temporairement du coup la grenade. Donc si vous voulez récupérer la grenade, il y a une petite astuce. Vous balancez, comment dire, vous avez balancé votre grenade, vous tirez du coup sur les cristaux, ça va avoir un impact de gel et comment dire, de zone d'impact sur les ennemis, mais en plus de ça va vous permettre d'augmenter temporairement la vitesse de recharge de votre grenade, donc c'est vraiment très fort. En ce qui concerne les murmures de chaîne, bah, c'est tout simplement lorsque vous êtes à proximité des cibles, ou d'un cristal stasique, les alliés et les cibles vous infligent moins de dégâts. Ça va vous rajouter plus 10 de récupération en plus. Et quant au murmure de conduction, qui va nous rajouter plus 10 de résistance et plus 10 d'intelligence, les éclats de stase à proximité vont trahir votre position. Ce qui va avoir pour effet, bah, tout simplement grâce aux éclats stasiques, une fois ramassés, ça va restaurer de l'énergie de mêlée. Et donc là, les stats à prioriser, c'est bien sûr la résistance, la récupération et la discipline. Il faut savoir que là on est sur un triple 100 et que vous savez, je vous l'avais déjà dit, la stase c'est vraiment la doctrine qui vous permettra d'atteindre ce triple 100 le plus facilement possible. Donc normalement vous pourriez avoir le triple 100 facilement sans aucun problème. Et donc il me reste plus qu'à faire le petit récap hein, comme d'habitude. Donc ici le siphon harmonieux avec le cendre utile doublement. Ici on a un double récupérateur d'impact avec un transfert d'élan. On a également bien sûr soit résistance en fonction de la menace que vous affrontez, le recharger. Vous pouvez mettre un double rechargé, hein, mais les lames lumineuses c'est quand même pas mal pour pouvoir augmenter notamment le chargement d'énergie des épées. Et vous avez l'absolution avec l'innerversion doublement encore mis ici. Avec donc non pas la délétation du temps, hein, j'ai oublié de faire l'objet de classe, excusez-moi. Donc ici, l'objet de classe, bah, tout simplement pour réduire le délai de votre grenade, encore une fois, avec la compétence de classe. Mais selon moi, ce qui serait le plus adéquat ici, ce serait plus le distribution, vous voyez ce que je veux dire. Et également à réduire le délai de récupération de votre attaque de mêlée, pour l'avoir un petit peu plus. Et vous pouvez soit mettre ceci, ou soit mettre, bien sûr, le bombardier. Vous mettez double bombardier, par exemple, pour réduire le délai de récupération de votre grenade. Là, vous allez pouvoir spammer la grenade. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours, les amis, jusqu'au bout, au bonus. Donc, c'est pas le récap, on le continue, il n'y a pas de souci. Donc, ici, on voit bien donc notre bombardier.
doublement mis et le distribution. On passe maintenant au niveau des armes, donc avec intensification et boucherie, le surplus et le télémètre pour l'épicurien. Et ici, on va changer l'arme. Hein, donc, du coup, ici, on était sur une arme du coup solaire. Et vous allez voir, on va passer sur une arme donc abyssale. Elle va arriver, donc je vais me la transférer. Elle va arriver d'ici peu. Vous allez voir de quelle arme il s'agit. Hein. C'est une très très bonne arme. Je vous conseille de l'avoir et de l'utiliser et de prendre l'habitude de l'utiliser également. Et maintenant, c'est parti. On l'a équipé. On va partir sur le bonus pour finir. Et comme d'habitude, vous allez voir la différence. Donc, on a changé en plus de ça deux grenades. Donc là, on a notre auto, voilà, donc classique. On a notre épicurien. Donc avec télémètre, hein, c'est pour ça qu'il a un gros zoom comme ça, puisqu'il est plus performant à distance. Et vous avez donc la griffe noire. Alors, je sais pas si ça va être possible parce que les mecs ils sont en train de tout défoncer ici. Avec le cryo en veux-tu en voilà. Qui va avoir la particularité, voilà, je sais pas si vous avez pu voir, d'envoyer des attaques de distance comme ça. Et il faut un petit peu en laisser les gars, hein, du coup, vous avez vu. Du coup, ça permet d'augmenter le temps de charge de l'armure, vous voyez. Regardez, ça consomme pas de munitions. Regardez. Je vous le montre, hein, regardez, ça descend pas, hein, vous voyez. Regardez. Ça descend toujours pas, regardez. Garde parfaite, regardez, x24, regardez. Hop. 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 Ça, il faut absolument que je vous... Il fallait absolument que je vous le montre, hein, regardez. On est à une garde parfaite x60, et là... Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Vraiment pour ça. Hein. Et ça vous permet en plus d'avoir un surbouclier. Hein, regardez, vous recevez aucun dégât et regardez, les munitions ne bougent pas. C'est vraiment très très fort. Et c'est ça que je voulais vous montrer avec ce bonus. Et le deuxième truc que je voulais vous montrer pour que vous voyez la différence, c'est bien sûr la grenade crépusculaire. On va voir à quel point... du coup, bah, bien sûr, elle va revenir extrêmement vite. Donc là, j'ai pas de bol parce que je suis avec des gens, ils dégomment tout. Et c'est pas génial pour vous montrer. Et regardez donc la grenade crépusculaire. On va attendre que les ennemis arrivent. Voilà. Du coup, la grenade crépusculaire qui va permettre tout simplement de récupérer la grenade beaucoup plus vite. Regardez, on voit ici notamment que la grenade elle est déjà revenue et je peux la rebalancer. Voilà, je la rebalance. Mais par contre, après, vous voyez, le problème de cette grenade crépusculaire, c'est que vous n'avez pas les, comment dire, les gros morceaux de stase qui vous permettent de récupérer plus vite la grenade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la grenade crépusculaire, c'est bien d'un côté, mais pas bien de l'autre. Regardez maintenant la différence que je vous montre, du coup, si je remets ma grenade classique de tout à l'heure. Donc, il faut attendre bien sûr qu'elle revienne hein, maintenant, puisque je l'ai enlevée complètement. Vous allez voir la différence. Et vous allez voir que finalement, bah, en réalité, malgré qu'elle est un peu plus longue, vous allez voir que c'est pas grave du tout, bien au contraire. Donc, l'attaque de distance, là, vous voyez, hop, 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 voilà. Donc, je vais bientôt, je pense, récupérer la grenade, voilà, comme ceci. Et dès que vous balancez la grenade et vous tirez des éclats de stase, ça vous donne de l'énergie pour récupérer votre grenade. Et je pense qu'en fait, elle revient beaucoup plus rapidement comme ça. C'est con à dire, hein, mais regardez, vous avez vu, je l'ai récupérée beaucoup plus vite que la grenade crépusculaire elle-même. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouvais intéressant de vous le montrer. L'attaque de mêlée fait revenir proc la grenade automatiquement, regardez. Et voilà, donc vous êtes à nouveau avec la grenade. Voilà les amis, du coup le bonus est fini. Et comme d'habitude, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Il vous reste plus qu'à tout simplement mettre le petit pouce vers le haut pour que l'algorithme de YouTube trouve plus facilement la vidéo et que plus grand nombre de possible de personnes puissent regarder la vidéo et profiter. La petite cloche de notification pour rien louper des prochaines vidéos et il va y avoir encore des trucs très intéressants à vous mettre sous la dent.
Et bien sûr, l'abonnement me permettra de savoir que du coup le contenu vous a plu, et par la même occasion vous allez soutenir la chaîne, et du coup par la même occasion le travail que je fais pour vous proposer ce genre de contenu. Voilà les amis, on a été complet. J'espère que vous avez aimé encore ce build, et n'hésitez pas bien sûr à me faire des retours en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous avez pu tester, etc. etc. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Destiny 2, et d'ici là, amusez-vous bien et à très très vite sur Destiny 2. Ciao ciao!